C'est dans les moments les plus difficiles que vous voyez le vrai visage des gens. Amen. C'est dans la persécution qu'on grandit. C'est dans la persécution qu'on s'assagit. Amen. Les gens peuvent venir. Jésus dit beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lieux. Là, c'est la qualité que Dieu recherche. Dieu n'a rien à voir la quantité. C'est la qualité que Dieu cherche. Et justement, quand un vent souffle, il balaie, il laisse ce qui est bon. Ceux qui t'aiment en vrai ne t'abandonneront jamais. Peu importe la raison, ils ne t'abandonneront jamais. Les femmes, elles sont le tombeau de Jésus. C'était un risque parce que c'était barricadé, il y avait des soldats. Mais elles ont risqué leur vie pour l'amour qu'elles avaient pour Jésus. Parce que les gens surveillaient le tombeau de Jésus parce qu'ils auraient appris qu'il allait ressusciter. C'est pour ça que la Bible dit que notre amour soit sans hypocrisie. Tout compte fait, un amour qui n'est pas sincère, ça se découpe tôt ou tard. Amen. On dit amen. Amen. C'est la chose, ça ne se cache jamais. Amen. Amen. Et après, on se rend compte de dire, ah ok, c'était tellement vite avec moi. Oui, mais tu en dis une leçon. Et c'est ça la vie. La vie est une école. C'est ça que quand tu n'es pas encore arrivé, ne dis pas que ça ne va pas t'arriver. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que la pierre qui a rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Frère, ceux qui vous rejettent seront supplis un jour que de ce coup qu'ils ont besoin de certaines choses. Amen. C'est comme ça que Dieu a confondu les frères de Joseph. Amen. Quand Dieu va vouloir t'élever, il va créer. Et hein, il va que les gens t'abandonnent. Si tu n'as pas trahison, tu ne peux jamais être trahi. Ah oui? Il faut que tu sois trahi pour connaître le mot la trahison. Je vous ai dit ici, je ne vais plus revenir là-dessus, je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Tu vois et je vois. Il y a des détails dans ça, il n'y aura pas. C'est trop politique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vérité n'engage pas ça. Amen. Frère, tant qu'on ne t'a pas humilié, Dieu ne peut jamais te taire. Sauf ça, dans les moments difficiles, il faut te taire. Amen. Tu fais ton balade. C'est qu'on entend de moi en Côte d'Ivoire. C'est balade de Dieu qui est en train de se faire. Et les détails, je ne rentre pas dedans. Mais prions pour la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà averti. Si ça déclenche, c'est parti pour 2 ans. Et notez ça. Notez la date d'aujourd'hui. Notez ça. Je vous avais déjà dit qu'on préparait, vous allez tuer un homme politique. Ça, je vous ai déjà dit ça. Vous voyez? Amen. Ça ne vous manque pas même moi. Je vous ai déjà dit ça. Parce que par moment, quand les gens disent Dieu ne parle pas, Dieu parle. Mais on n'écoute pas. Ce qui est en train de se passer là, Dieu vous a déjà averti. C'est parce qu'il y a des détails dans lesquels je ne peux pas rentrer pour d'autres personnes. Ceux qui sont plus dans mon intimité, ils savent les détails que je leur ai donnés. Avant que ce qui est en train de venir. Parce que ce qui est en train de venir là, c'est grave. On dit non, il ne faut pas effrayer les gens. Ah! Un ours qui vient, ours qui est en train de venir là, même s'il ne t'effraie pas. S'il arrive près de toi, ce qu'il a envie de faire, il va faire. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Amen. Ah, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Celui qui règne par l'épée, il périra par ça. Amen. Je vous ai déjà enseigné ça ici. Amen. C'est une loi. C'est une loi divine. Si tu as détruit, ils vont te détruire. Si tu as chassé, ils vont te chasser. Ah, vous dites pas amen. 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 Je disais ça à mes proches, je ne rentre pas dans tout détail. J'ai dit, il y a un homme politique qui me cherchait dans tout Paris. J'ai dit, je ne te rejoins pas. Amen, hein, papa.
Quand tu as mangé là, il était là. Ah, tu mangeais là, j'étais là. Je suis dans ma chambre, je viens prier pour toi. Que Dieu te bénisse là-bas. Encore une fois, on appelle ça distancia. Aïe, il y a des connexions, ça va gâter ton nom cadeau. Tu n'as pas mangé, mais ton nom est gâté. Dans la vie, il faut être intelligent. Ah, il y a de la langue, on ne peut pas prendre. Non, c'est que si je me vois, il dit, mais quand il va me voir, il va prendre photo. Photo, il va prendre. Mon nom est gâté. Donc, allô, oui. Ce qu'on fait, c'est prier. Prier, c'est prier. Amen. Amen. Ah oui, attention. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Mais c'est la vérité. Tu as mangé. Nous, on a vu, on a mangé. Et Dieu met, tu manges. C'est bien, tu me cherches. Il faut être intelligent dans la vie. Là. Soyez très intelligent. Ah oui. Tu me cherches pourquoi? On dit, tu délires. Ah, c'est aujourd'hui, tu sais qu'il est délire. Oh, moi, mais je connais. Et puis, tu connais. On me connaît. C'est aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui, il y a des problèmes. Je vais te rencontrer. Allô, on va parler au téléphone. On va prier. Mais si il y a des rencontres, ça ne peut pas m'aider. Ah, c'est la vérité. Je ne sais pas avec qui. Je ne sais pas comment. Aujourd'hui, les gens résument tout. On est en fait d'Android. Mais les gens peuvent enregistrer. Et il fait un petit truc pour te coller ça. Donc j'ai dit, non, c'est important. Il dit, bon, je veux réfléchir. Encore du bonheur, c'est non, j'en vais pas là. Amen. Vous savez où me trouver. Si tu es venu ici, je cherche pas, j'ai dit. On sait où me trouver, mais que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Quand on t'accuse à tort, garde le silence. Un matin, ils vont parler. Amen. Dieu, il est avec ceux qu'on persécute. C'est ce que vous ne savez pas. Lorsqu'on commence à persécuter quelqu'un jusqu'à qu'il dit Seigneur, Dieu vient son aide. Amen. C'est pas que du moins qu'il vient couler. Non, Dieu, quand tu es dans la joie, Dieu vient en aide à des gens qui ont des problèmes. Amen. Il arrive à secourir les gens qui sont dans les difficultés. Amen. Donc quand vous commencez, c'est qu'ils ont commencé. Ils sont en train de donner nous à quelqu'un. Mais je ne parle pas, il y a des choses, je ne vais pas les parler, ils vont prendre ça. L'attention, tout le temps, tu as encore dit quoi. Et c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Je ne suis pas en train de faire la politique. Mais éloignez-vous de tout ça. Amen. Amen. Éloignez-vous de tout ça. Souvent, on me pose la question, je ne réponds pas. Je connais. Et toi, qui me pose la question, tu sais. Ah, c'est de ma bouche, je vais sur la joie. Vous connaissez bien comment l'assassin. Toi-même, tu sais où tu es en train de partir. C'est un western. On connaît comment ça termine. C'est la vérité. Quand Django sort, on connaît. Comme l'autre, on connaît. Oh, on n'est plus avant. On connaît l'histoire de nos pays. Donc, prions. Ne négligez rien. Mais surtout, franchement, ne nous emportons pas. Parce que si demain quelque chose arrive en Côte d'Ivoire, c'est nous tous qui serons affectés. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est passé. C'est pas bon. Il faut qu'on vous dise ça. Lui, en l'autre, on l'a dit, ça va venir, non, il n'y a rien. Ah! Ils l'ont pris, tac! Ils sont partis. Quand quelque chose vient, il faut commencer déjà à prier pour ça. Il ne faut rien banaliser. Et je vous dis pas aussi de vous mettre prions. L'église doit prier. Moi, je suis apolitique. Sinon, les gens que je vais rencontrer à Paris, là, cachés pour venir me voir. Il y a un dit, mais quand tu étais là-bas, tu mangeais. Ah, tu ne m'as pas vu. Aujourd'hui, je t'ai délivré, tu es possédé. Ah, aujourd'hui, tu es possédé. Ton démon là, il peut le délivrer au téléphone. Allô, il sort de son corps. Que Dieu nous aide. Amen. Je prie que tu apportes la stabilité. Amen.
Voilà, quand deux tensions comme ça, quand les gens politiques commencent à faire la guerre de communication, t'es tendu, c'est qu'à l'horizon, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Je vous ai déjà dit que 2020 sera difficile. Mais si nous prions, la Bible dit que c'est la prière, la seule prière de l'âme du chrétien. Seule la prière peut aider. Amen. C'est pour ça que mettez-vous, en tant que chrétien, mettons-nous en dehors de tout ça. Éloignons-nous de tout ça. Ce n'est pas venir insulter quelqu'un. Ce n'est pas pour venir parler mal de quelqu'un. La seule chose que nous devons faire, c'est de prier. Amen. Moi, je ne vais jamais me mettre là pour dire, oh, j'aime tel homme. Tout compte fait, chacun sait qu'il aime dans son cœur. Ça, celui qui dit non, il est mort. Mais c'est la vérité. À chacun qui marche, il connaît ce qu'il y a dans son cœur. On se réunit, dit bonjour, toi-même tu sais. Il n'y a pas de dire non. Même si on est en politique, chacun connaît celui qui préfère. Mm-hmm. Nous sommes des humains. On regarde, chacun connaît ce qu'il y a dans son cœur. Mais ton choix, moi mon choix n'est pas le choix de Dieu. C'est ça mon problème. Et puis je ne vais pas imposer mon choix aux gens. Non, non. Ah, lui, là, dès qu'il est bien, ça c'est moi qui dis. Et ce n'est pas Dieu qui dit ça. Amen. Tout comme les politiciens, c'est des menteurs. C'est ça que moi je retiens. Ah, on est en train de vous voir. Vous avez parlé de temps, on est en train de vous voir. Ah. Ah, donc c'était vrai. Dans les détails dans lesquels il n'est pas mis de trop rentrer. Amen. Amen. Parce que l'église a politique. Prions. Prions pour que Dieu protège. On n'a plus besoin de ça. Amen. Amen. On n'a plus besoin de ça. Que Dieu nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous répande sa grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Et nous allons rentrer tout droit 2020. Et c'est en 2020, c'est l'année des élections en Côte d'Ivoire. Amen. Alors, la Bible dit que nous devons rechercher la paix de notre nation. Parce que la paix de la nation dépend aussi de notre paix. Amen. Si nous ne prions pas, les choses vont arriver. Ce sera que moi, je vous exhorte, évitez les portes sur vos murs. Évitez, toi-même, tu connais ça dans ton cœur. Garde ça dans ton cœur. Et puis, commence à prier. Moi, il y a trop de questions que les gens me posent. Amen. Amen. Mais regarde. Que Dieu nous aide. Amen. Celui qui règne par l'épée, retenez ça. Celui qui va te détruire, il sera juste détruit. Ne te presse pas, peu importe le temps. Je vais vous expliquer ça ici. Je suis revenu dans l'histoire, il y avait l'historique d'un coup d'État. En Afrique même, de commencer, pour qu'on puisse mieux comprendre, parce que c'est récent. Les Blancs, la montagne, ils ont fait pour eux, c'est des siècles. Pour nous, c'est récent. Je vous ai parlé de Kadhafi. C'était un panafricaniste. Comment il voulait développer l'Afrique et sa vision. Il est parti comment? Hein? Je suis allé revoir cette vidéo, j'ai pleuré. Mon épouse et moi, on a regardé les vidéos. Voici comment ils l'ont tué. Ah oui, ils l'ont tué comme un chien. Ils l'ont mis dans une chambre froide comme des poissons cellules. Les chachars. Pendant 5 jours, pour aller l'enterrer dans un endroit inconnu. Est-ce qu'on enterre? Point d'interrogation. Ah! Mais il est venu par un coup d'état en 2010, en 1969. Il a chassé un roi qu'on appelle le roi Idriss. Et puis il a pris le pouvoir. C'est pas ça, il est parti. De toute façon, tu viens. C'est comme ça qu'il s'en va. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Quand Pierre a pris l'épée pour protéger Jésus, il voulait le protéger. Il dit, remets. Remets l'épée à sa place. Et puis laisse faire. Cela, c'est le temps. Parce que si tu règnes, celui qui règne par l'épée, puis si je me défends, mais Dieu ne pourra plus me défendre. Laisse faire. C'est là où Jésus a dit, celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous ai parlé du Burkina. Ah, Karamé, Thomas Sankara, mais il est venu pour moi comment? C'était pas un pasteur. Vous dites non, il est venu faire pasteur. Depuis quand on fait pour des termes, on ne dit pas. Même si on dit à
pas effusion de sang, il y a une petite effusion de sang. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Où on emprisonne les gens, où on envoie les gens en exil. Tout ça, c'est dangereux. Non, on aime ça quand même. Tu feras mieux d'arriver dans les salles à Serge, elle aussi. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Voilà. Alléluia. Même Samuel Doué. Mais il y a des histoires près de nous-mêmes. Samuel Doué, tout près à Libériel. William Tolbert, comment il a tué? Il a tué. Comment il est parti? Quand vous regardez l'histoire, ça se répète. Amen. Donc attention. Que Dieu nous aide. Prions. Prions pour nos nations. Prions beaucoup pour nos nations. C'est beaucoup très important. Si nous ne prions pas, le pire peut arriver. Trépassons nos ambitions politiques. Ah oui, tes ambitions, on veut coûte coûte et c'est dangereux. Que Dieu bénisse les pays. Parce que c'est important, l'Afrique est le continent le plus puissant et le plus riche. Le seul problème qui manque à l'Afrique, c'est la connaissance. C'est pour ça que dans chaque pays africain, les gens doivent s'asseoir. C'est pas une question de monnaie, c'est vrai, même si on parle de monnaie, amener les gens à l'école. S'ils ont la connaissance, c'est fini. Il n'y a même pas, il y a des points, il n'y a même pas école. On parle d'autre chose. C'est l'école qui fait. Ici, c'est l'école. L'école obligatoire. Tu ne mets pas l'enfant à l'école, toi, le parent, on te l'arrache. Parce que tu es en train de détruire un enfant. N'est pas là à l'école, c'est un handicap. Amen. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Dis, mais toi-même, tu es en France. Et là, comment tu parles? Va à l'école. Ah, papa, il a dit, oui, ici, là. Il n'y a pas d'âge pour se former. On peut tout arracher, mais ta connaissance, là, c'est ta richesse. Si vous avez la possibilité d'aller vous faire former, formez-vous. Que de vous distraire en train de parler de politique. C'est l'erreur que commettent les Africains. Les Africains, les gens pensent que c'est comme mis dans un parti politique qu'on devait. C'est l'erreur qui est en train de se passer en Afrique. On laisse les études. Regardez la plupart des étudiants aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont en politique. Hein. Ils ont nouveau peut-être licence. La plupart qu'on voit une génération des politiciens qui sont en train de venir. Mais est-ce qu'on est franchement obligé de faire la politique pour avoir de l'argent? Non. Non. Et c'est dangereux. Il faut que nous changions de mentalité pour les Africains. Amen. Amen. Ici, c'est quel enfant ici qui est pas qu'à l'état d'aller faire politique? Moi, ici, il y a un pays, ici, il y a un pays. Ici, où il y a mis ici? Où il y a mis ici? Est-ce qu'il a le temps? Il est occupé même. Là-bas, on insulte, on s'insulte. Et on cache nos vies, on se fait des ennemis cadeaux. Il faut que l'Afrique se réveille. Nous sommes en train de détruire. Ah, les gens ils pensent qu'ils disent non, c'est les gens qui détruisent. Mais non, c'est nous qui détruisons toujours. Ça dépend de la vision, de la manière de voir. Que Dieu nous aide. C'est une question de vision. C'est une question de vision. Changeons de mentalité. Changeons de manière de voir. On n'a pas besoin de prendre même des armes. Puis j'ai pris. Pourquoi on doit toujours prendre les armes? Ça, c'est dépassé, c'est révolu, ça. Dans d'autres nations, c'est révolu, les blancs, ils ne sont plus à ce stade. Pourquoi forcément vouloir prendre des armes? Pourquoi forcément vouloir détruire la vie de l'autre? Eh bien, il faut que nous surmontons un jour ça, nous passons à autre chose. Pour se prendre en charge, c'est la connaissance. La connaissance est tout. Et le problème des Africains, ils sont très égoïstes. Nous sommes égoïstes. On ne pense qu'à nous, à notre clan. Amen. Donc on a des frustrés. Les frustrés là, ils vont prendre Zagazaga pour te tuer. En vérité. Ah, tu m'as frustré. On a trop de frustration. Appel à la révolution. Amen. On ne pense pas hein, aux autres. Hein. On ne pense qu'à nous. On mange, on est rassasié, on met dans les poches, tout ça. C'est comme pour maïs, on met dans le coma, on met ici, on met dans la poche. Comme quelqu'un qui a quitté dans fait de tout là. Parce que quand tu as assis un fait de tout là, tu vas y chasser. Tu as toujours chassé noir, tu vas détailler ça.
Amen. On ne pense pas aux autres. On a frustré les gens. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous protège. C'est ça la politique là. Moi, je vois ça très loin. Je passe. Il n'y a pas de politique en Afrique où tu ne peux pas tuer. Tu gênes, on te tue. C'est comme ça. C'est ce que vous voyez là. Quand tu commences à gêner, on te tue. Mais c'est comme ça la politique. Quelqu'un me pose la question, mais c'est comme ça. C'est ça que nous, on ne peut pas dedans. C'est comme ça. C'est ça la politique politicienne. Tu es dangereux. Ah, on te tue. Regardez. Ils ont il y a des gens dans leur structure là. Il y a des gens pour tuer. On les paie pour ça. Je préfère m'arrêter là même. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. 2020 sera pour nous une année de grâce et de bénédiction. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu continue de vous fortifier. Amen. Alors le 30, tiens, c'est le mardi. C'est ça? Oui. Aujourd'hui, on est. Hein? 29. Oui. Demain? Mardi? Oui. Ce jour-là, on va dire au revoir à 2000. Oui. On va le chier. Allez. Tu nous as trop fait des problèmes. Il ne revient plus. D'ailleurs, il ne va plus revenir. C'est fini? Il ne reviendra plus. Amen? Donc, on va célébrer. Vous savez, quand on a un nouveau bébé, on est content. Donc 2020, il faut célébrer ça, mais dans la présence de Dieu. Amen. Vous allez voir, il y a d'autres qui vont Xavier, ils sont saoulés. Dans un coup, vous les ramassez. Xavier, il vomit. Xavier. Regardez, vous allez voir le premier à 10h, 11h. Regardez. Xavier. Et comment il commence une nouvelle année? Il est soumis. Au commencement, le commencement de toute chose est important. Tu commences comment? Amen. De toute façon, tu as démarré la seconde, tu vas finir. C'est ça que si la Bible dit que Dieu est l'alpha, Amen. Il est l'oméga. Si on commence bien avec lui, on finira sous bien. Amen. Il faut tout confier à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait, ah, papa, quand on finit à l'église, là, moi, 1h, 2h du matin, quand nous on gère les pages, il y a toutes les questions. J'ai dit, mais pourquoi c'est l'option boire? Il dit, non, je suis content. J'ai dit, moi, on n'a pas besoin de boire pour être content. On a bien des bonnes amies. C'est ce que tu veux faire là. Tu peux être chez toi à la maison. Non, il y a trop d'amis, mais l'emporte, la fête, tu peux t'emporter, faire autre chose. Ou bien? Oh, la Bible dit que tout ce que nous faisons, nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Faites ça pour la gloire de Dieu. Alors, donc, mardi, nous aurons une fête ici. Amen. Le 31, venez avec vos enfants, vos familles, les différents groupes. C'est ça, les différents groupes. Sur ça, tout à l'heure, on aura l'occasion, quand je vais arrêter, puisqu'il est bientôt 18h, les femmes vont se réunir pour parler. Amen. Vous allez échanger et tout ça. Et après, si on aura la réunion, j'aurai l'occasion de m'occuper d'autres personnes. Amen. Alors, donc, les différents groupes. Le groupe Onction, le groupe Saint-Esprit, Amour et Prospérité. Prospérité, n'est-ce pas? Les différents groupes, c'est eux qui sont, les différents groupes qui sont préparés pour envoyer la nourriture. Il y aura des moments de témoignage. Amen. Des moments de témoignage. Il y aura aussi des moments de louange. Je vais chanter avec aussi mon groupe. Et ce jour-là, j'aurai l'occasion de chanter quelques morceaux de mon prochain album. Amen. Amen. Voilà, mon prochain album, c'est prêt, ça sent que c'est préparé. Très bien. On va chanter ça par la grâce de Dieu. Amen. Alors moi, ça serait vraiment quelque chose de très fort, quelque chose de très merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons démarrer à 21h. Généralement, on finit au petit matin. C'est ça, non? On finit au petit matin. Oui, parce que c'est important. Voilà, on va fêter ensemble, même certaines heures, prier. On prie pour janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre. On consacre pour les 12 mois de l'année. Je vais vous expliquer, parce que, comme l'ancien venait de dire tout à l'heure, j'essaie de leur expliquer un peu le temps, les chiffres. Tout ça, c'est important pour vous.
d'autres personnes qui ne savent pas. Dieu ne se lève pas matin comme ça pour faire ce qu'il a envie de faire. Non, il est tellement organisé. Alléluia. Amen. Le 26, on a posé une action prophétique, c'est ça, non? Amen. Je leur ai expliqué, il dit, quand on dit 26 décembre 2019, il a bien compté, vous trouvez le chiffre 6. Amen. C'est ça? Amen. Vous trouvez le chiffre 6. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Vous allez me dire, mais comment ça? Oui, nous avons commencé cette action. Et nous poursuivons cette action chaque matin. À une certaine heure, à partir de 5h du matin, on prend 2020 et on passe sur 2020. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. C'est ce que tu sais que tu... Tu as semé quoi? Non, 2020, tu as semé quoi? Donc depuis le 26, on a commencé à écrire les sujets. Seigneur, j'aimerais qu'en 2020, que ma vie soit comme ça. Et puis tu lui présentes ça. C'est ce qu'on a commencé depuis le 26. Le 26, c'était le jeudi. Or, jeudi, c'est le quatrième jour de la semaine. Le quatrième jour de la semaine, voilà. Oui. Donc, on trouve le chiffre 4. Le 6 et 2 font 8. Donc, déjà, vous avez combien? 12 déjà. C'est ça? Oui. C'est ça? Amen. Très bien. Maintenant, on nous parle de 2019. C'est voilà. Nous rentrons dans l'année. Le 9 plus 1, ça fait 9. Les deux, là, ça fait 12. 12 plus 12. Hein? 4 plus 2. 6. C'est tout. En 2020, je vais vous parler du chiffre de la bête. Comment ça se manifeste? Je l'ai déjà fait devant d'autres personnes. Je vais vous enseigner certaines choses. Monsieur le juge, il y a des chiffres quand vous trouvez, ça fait 666. Ayez peur de ça déjà, le nom des gens. Ah, si vous voulez, le dimanche prochain, je vais parler de ça. C'est tellement simple. C'est commencer l'alphabet à partir de 6, plus 6, plus 6. Oui, mais il ne faut pas... Revenons dans le contexte, mais sinon ça va vous perturber. Je vais vous enseigner ce que ça veut dire, ce qu'on appelle l'eschatologie, les signes qui annoncent le retour de Jésus. J'aurai l'occasion de lancer l'enseignement le dimanche prochain, pour que vous puissiez comprendre qu'on ne marche pas par hasard sur cette terre. Il faut connaître les significations des temps. Il faut savoir lire dans les choses. C'est pour ça qu'il y a le roi Mars qui savait lire ça. C'est l'étoile du roi. Effectivement, il n'était pas chrétien. Puis il a marché, il a trouvé. Les gens disent non, c'est pas important. Et puis tu fais janvier. Et puis on dit ça, tu as un an de plus. Arrêtez vos bêtises. L'église doit être en mesure d'apporter la connaissance aux gens, c'est une chose. Je vous expliquais que même l'année, le jour de la semaine, premier et le lundi, c'est lui, mardi, mars, mercredi, mercredi. Mais quand tu écris, on dit lundi. On dit c'est quel jour de la semaine, tu as dit lundi. Mais c'est important, puisque ça reste dans les archives. C'est quoi? Donc c'est des choses qu'on va vous enseigner par la grâce de Dieu. Alors ce qu'on devons retenir aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Amen. Amen. Ce dernier dimanche-là, je pense qu'on va se tenir debout et acclamer Dieu. Amen. Amen. Pasteur Marie, j'ai lu le texte du jour. Amen. C'est dans le saut sans. Veuillez vous asseoir une minute. Nous avons dit merci, nous allons attraper les mains tout à l'heure. Le psaume 149. Le psaume 149. Prenez la parole de Dieu. Le psaume 149. Amen. Amen. Une année qui va t'apporter Marie. Dis amen. Amen. Comme ça, tu ne vas pas avoir vos mains. Si les gens qui tombent, vos mains sont. Vos mains, c'est trop dangereux. Ça peut donner une migraine. Ça peut donner AVC. Je vous délivre de vos mains. Amen. Quand les Ivoiriens disent vos mains, c'est chagrin de cœur. Quand tu as chargé de cœur, tu parles seul dans la rue, on dirait que tu es folle, mais tu es fou. Quand tu as chargé de cœur, tu casses les verres sur nous. Et puis ton petit orteil, là, ça coince le pied du lit. Petit orteil, là, quand ça coince, là, vous connaissez le boulet de ça? Ça monte dans la nuit ici. Comment est-ce que tu rends témoignage?
Oui, passez, allons-y. Le verset premier. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom. Nous sommes les fils de Sion. Nous devons être dans l'allégresse, la grande joie à cause de notre Père. Pour ce qu'il fait pour nous. Amen. Il nous a protégés. Amen. Il nous a gardés dans les cris du Seigneur. Amen. Marqué même les problèmes. Amen. Te voici vivant. Qui pensait un instant que tu allais. Parce que vos ennemis, là, vous savez, les ennemis, et tous leurs problèmes, ne veulent pas que tu sois heureux. Ça, c'est une forme de sorcellerie. Mais quand ils voient ta photo sur Facebook, ils ne sont pas contents. Mais alléluia. Est-ce que ma vie dépend de toi? Chacun a son destin. Or, un ennemi qui n'est pas heureux parce que tu es content, il a peur de toi. Vos ennemis, en réalité, sont vos administrateurs. C'est-à-dire, ils vous admirent. Ils savent de quoi vous êtes capable. Ce soir, on ne peut pas donner un nom à quelqu'un. Quand il parle, ne l'écoute pas. C'est vous qui donnez le nom aux gens. Si ta terre ici, c'est ce que Dieu a décidé là, qui va arriver. C'est tout. Tu peux mal commencer, bien fini. Hein? Tu peux mal commencer. Babo a été persécuté jusqu'à elle est née président. Amen. Vous avez persécuté Alassane jusqu'à elle est née président. Amen. En train de voir encore. Mais je ne dis pas. Ou bien? Amen. C'est comme ça. Quand vous persécutez quelqu'un, il est fort. C'est comme ça. Le gars a sauté Clotilde, il est devenu président. Mais c'est la vérité. Mais voici, il est. Qui pensait qu'Alassane allait diriger la Côte d'Ivoire? Qui pensait? Il est venu au pouvoir. Plus vous persécutez quelqu'un, vous le rendrez fort. Amen. Tu sais, frère, à un moment donné, quand tu es persécuté, puis tu es dans ton. Parce que quand tu es persécuté, tu t'arranges. C'est là même que tu es plus consacré. Or, Dieu avec ceux qu'on persécute. Quand vous allez commencer à persécuter quelqu'un, il va venir prendre le pouvoir. Moi, je vous parle en tant qu'homme spirituel. Qui rêvait un instant? Père à l'âme de mon père. Quand mon père entendait parler de Babo, mais c'est comme un cauchemar, il n'aimait pas. Nos parents avant là, lui a fait des prêtres voués. Pour pas. Non. Lui, il voyait le gars comme un bandit, un délinquant. Pourquoi il veut venir déranger le vieux là? Pourquoi il dirait le vieux? Mais c'est après longtemps, en réalité, c'est pas un délinquant ou bien. Ils l'ont persécuté, il a fui. Il allait se réfugier, il a été exilé aussi. Et puis il est venu au pouvoir, ou bien. Le type, Alassane, vraiment, vous l'avez persécuté jusqu'à. Quand même, il jump, il chante pour la tue. Il s'en va là-bas, et vous avez pas. Le voici, il nous dirige. Ou bien. Alors. L'histoire se répète toujours. Je suis là pour vous éclairer. Amen. Sinon, je ne suis pas dans la politique. Amen. Je suis dans mon coin. Quand il vient de prêcher, je suis dans mon coin. Si on te persécute, Dieu sera avec toi. Amen. Dieu avec ceux qu'on persécute. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fortifie. Amen. Et puis, bon courage. Amen. Si cette terre-là, si tu as beaucoup d'ennemis, ce que tu importes. Amen. Hey, c'est important, c'est pour ça que tu as ennemis. Ils vont te laisser comme ça. Hey, je ne vais pas te laisser. Pharaon dit, je ne laisse pas le peuple. Allez. Mais le destin, là, c'est Dieu qui en main. La destinée, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Allons-y, pasteur. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Nous, depuis hier soir, ma femme a commencé à danser Dieu. Ce matin, nous, on a dansé. Mais c'est important. Ce que Dieu a fait pour toi, frère. Gloire à Dieu. Amen. Voici, tiens.
bonne santé. Et maintenant, dit les en exigence, on est tous étonnés dans cette église. C'est comme ça la vie. La vie a des surprises. Souvent agréables et souvent désagréables. C'est ça, on ne veut pas entendre désagréable. Mais ça fait partie. Mais comme Dieu, il est Dieu, il te fait dévier beaucoup de choses dangereuses. Il faut le louer. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Quand tu es dans le malheur, Dieu vient te glorifier. C'est-à-dire Dieu te positionne. Puis les gens ont dit, ah! Il y a des gens qui ont préparé des pièges contre toi. Et je me suis dit, lui, il ne peut pas s'en sortir. Après le grand suivi de moi, voici. C'est Dieu qui te délivre. Parce qu'eux aussi, ils ne savent pas ce que toi tu fais. Plus qu'eux te persécutent, toi tu dis Seigneur, sauve-moi. Mais qui va te sauver? On dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. On dit quiconque, que tu sois, quiconque invoquera le nom du Seigneur dans les moments les plus terribles. Dieu vient te sauver. Tout ce que tu as dit, sauve-moi, il te sauve. Et puis le gars, il est étonné du fait que son plan a déjoué. C'est ça. C'est ce que Dieu va faire à tes ennemis. Amen. En 2020, amen. Une délivrance spectaculaire. Amen. Vous avez le pouvoir. Le seul pouvoir devant lequel ton ennemi ne peut pas s'arrêter, c'est le pouvoir de Dieu. Amen. Et la décision de Dieu. Amen. C'est ce que l'autre avait oublié Pharaon. Ils sont en train de préparer leur beau témoignage. Il sauve. Il glorifie. Il va te sauver. Ils vont te glorifier. Lui là, moi-même, je l'ai fatigué. S'il est arrivé là, Dieu est avec lui. Dis amen. C'est eux-mêmes vont témoigner. Lui-même, il est convaincu. C'est-à-dire ton ennemi, il est convaincu. Ha! Ah, ça vous l'aide. Ha! Et à la ha! Lui-même, il sait où il est quitté. Ah, il sait où il est parti. Tous les cardinaux, ils t'ont mis dedans. Ha! Mon gars. À force. Mais lui-même, il connaît où il est parti. Ah, c'est pas tout le monde détruit. Toi, tu le persécutes, il est dans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, oh, tu ne dors pas. Oh, quand vous persécutez, vous ne dormez pas. C'est la période où vous-même vous priez. Aïe, tu as quelle force pour dire, même manger, tu ne manges pas. Ce jour-là, tu te rappelles de tous les gènes. Gènes d'Esther, gènes de Daniel, tu le fais pour Jésus, c'est 40 jours. Tu mets des tables. Vas-y, tu veux que Dieu agisse. Non, Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia, ils auront dit amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Vous savez, le temps. Il y a quelqu'un qui dit ça. Le temps est un autre nom de Dieu. Attendez votre Dieu, temps. Papa. Attendez votre temps. Vous savez, le diable, votre ennemi, vos ennemis, là, eux sont pressés à crier victoire. Et quand Dieu veut agir, il fait connaître les yeux du diable d'abord. Vos ennemis, c'est ce qu'ils font. Ils vont savourer, ils vont commencer. C'est comme ça que Dieu fait. Hein? Et puis toi, il te met dans une position où les gens, parce que tu es faible et abandonné. C'est comme ça. Lisez la Bible. C'est comme David. Il quitte le palais, il se retrouve dans les colonies. Or, c'est lui qui allait prendre le poste, le trône. C'est comme ça que Dieu marche. Et puis, les gens disent non. Et puis, un matin, quand Dieu te positionne, lui-même qui t'a persécuté, lui-même s'est dit, vraiment, lui-là, Dieu est lui. Quand ils ont tué Jésus, les gens ont dit, certainement lui est le fils de Dieu. Voilà. Voilà, pasteur. Oui, c'est ça. Ils ont témoigné. Ils ont témoigné. Amen. Non, lui là, franchement, il est fils de Dieu. Amen. C'est comme ça, très bientôt, tes ennemis témoigneront. Amen. Il ne faut pas écouter. Ne cédez pas à la frayeur. Crois en Dieu et crois en toi. Amen. Faut croire en toi. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.
Nous allons tenir debout rapidement. Excusez-moi d'avoir débordé. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial. Yeah. Salut ton voisin, ou quelqu'un qui dit bonne heureuse année. Bonne heureuse année. Parce que je suis convaincu que tu vas partir. À moins que quelqu'un a peut-être fait un piège. Mais tu ne vas pas te manger. Bonne heureuse année. Thank you.
Amen, Jésus-Christ. Alléluia. Dis à quelqu'un.